Alors, je suis Sylvaine Martel, je suis artiste sculpteur plasticienne, c'est-à-dire que je travaille les arts plastiques. Actuellement, je suis sur un projet de sculpture papier à échelle 1-1, c'est-à-dire que toutes les sculptures que je vais faire sont des petits personnages à taille humaine. Jusqu'à présent, je travaillais sur ce format-là. On retrouve la petite bonne femme avec son petit nez retroussé, ses petites couettes, et puis souvent un air un peu débonnaire. On appelle ça du narratif, c'est-à-dire que la sculpture en elle-même raconte une histoire, un peu comme on va lire une bande dessinée. Indépendant de ça, c'est de toute façon une conviction, une philosophie pour moi. C'est vraiment une manière de penser la vie, hein, de dire mon travail, mon activité, je suis mon propre patron. Je ne suis pas non plus très matinale, donc ça aide aussi. je suis quelqu'un d'assez indépendante dans ma manière d'être déjà. Après, ça aussi c'est travers, c'est-à-dire que quand on est seul, c'est intéressant parce qu'on est son propre patron, mais en même temps, on peut aussi souffrir de solitude et d'isolement, ce qui a été le cas pour moi il y a encore pas très longtemps. Dans la réalité, vraiment dans l'observation de la réalité. C'est-à-dire que toutes les petits personnages, même le chat, lui, va avoir une attitude d'un petit bonhomme un peu dans le hip-hop, en fait, qui a les mains dans les poches, il va y en avoir d'autres, et c'est vraiment une série que je vais lancer, en fait. Le chat, vous voyez, c'est très léger, c'est du papier. Et j'essaye non pas quelque chose de purement académique ou d'hyper réaliste, je cherche vraiment à trouver le mouvement, la sensation, le vrai, en fait. Alors, que m'apporte en fait, puisque pour l'instant je suis encore suivie par Germinal. Un peu résumé pour moi ce qu'est Germinal, je dirais c'est un peu comme un coureur de fond qui s'est retrouvé amputé d'une jambe. Germinal ne va pas amener la prothèse, mais va me permettre de trouver les moyens d'avoir accès à une prothèse et de pouvoir continuer. C'est-à-dire que Germinal ne va pas faire à ma place, mais va m'apporter le matériel, les éléments, les renseignements qui vont faire que moi, je vais pouvoir de mon côté me retourner et aller chercher. Et m'a aussi permis de sortir d'un isolement, ce que je vous disais tout à l'heure. Ouais. Quel conseil? Il faut y croire. Hein. Je pense que le feu intérieur, qu'il soit créatif, qu'il soit dans l'entrepreneuriat, est important. Quoi. Je pense que sans ça, on n'y arrive pas.